Vado io. No, stai lì. Cameriere! Vengo, vengo, ecco il vino. Mangiare. C'è pronto abbacchio e spezzatino. Cosa sapete? Quello. Quale, abbacchio o spezzatino? Tutte e due. Tutte e due? Sì, va bene, tutte e due. Per me pasta asciutta e abbacchio. Va bene. E un litro rosso. Va bene. Ma voi di dove siete? Del mio paese. Perché non parlate come dalle nostre parti? Dove siete nati? Da casa di mio padre. Cavaliere! Vengo! Porta del vino qua, dai! Scusate me, così resta in famiglia! Ma che lana, questa è ovatta, ci si infila le dita dei piedi. È rossa. Va. Diceva a me? Sì, va. Cosa fai? Niente. E allora siedi qui. Va bene? Grazie. Dov'è questo vino? Non mi piace per niente questo posto, no. Come una sigaretta. Devo già averla vista, lei, sì? Può darsi, sono sempre in giro. Ecco il vino. Avete già mangiato? Sì. Ma dove vi ho visto io? E io? Che lavoro fate? Io sono un artista viaggiante. Oh. E quella è la mia assistente. Ci ho insegnato tutto io. Quando l'ho presa non sapeva neanche ragliare. Guarda. Guarda. Senti che roba. Che omaggio! Guarda qui. In un'ora. Tutti guadagnati con questi. Posso prenderne uno? Le cinéma italien a longtemps été un grand dans le marché du cinéma. Et en inspirera beaucoup comme Griffith. Des péplums de Cabiria de Pastrone au divisme avec Malamor, Mio no Amor de Caserini, en passant par le film littéraire avec Dante Inferno. Le cinéma italien règne sur le monde du cinéma par sa créativité et les efforts employés pour faire ses films. Une créativité que les fascistes dans les années 30 mettront au plus bas. La période de guerre fut difficile pour le cinéma italien. Et pourtant, des cinéastes émergent. Luchino Visconti avec Ossessione, défiant la censure en 1943, ou Roberto Rossellini qui démarre le cinéma avec la trilogie fasciste, qui, comme son nom l'indique, et beaucoup plus du côté propagande du cinéma. Le régime fasciste avait la main mise sur le domaine du cinéma, bien que Mussolini ne s'y intéressât que tardivement. La censure était belle et bien présente, et alors n'étaient produits que des films de téléphone blanc, aseptisés et bourgeois. Puis, en 1945, la guerre est finie. Cependant, le fascisme ne disparaît pas totalement, et c'est en Italie où il perdure. Mais c'est alors qu'un nouveau courant dans le cinéma apparaît, déjà annoncé par la venue d'Ossessione de Visconti. Et c'est avec Rome ville ouverte de Roberto Rossellini que le cinéma néo-réaliste obtient une notoriété internationale.
Un genre qui sera théorisé par le scénariste Zavattini et popularisé par le critique français André Bazin. Le cinéma italien était en train de renaître de ses cendres de la guerre par des images évoquant cette même guerre. C'est alors que des auteurs apparurent, au grand jour, comme Rossellini, Visconti, De Sica, De Santis, Antonioni ou Zavattini, apportant des chefs-d'œuvre comme La Terra Trema, Paesa ou La Dri di Biciclette. Des films ayant marqué l'histoire du cinéma, un mouvement important et qui pourrait être mis en relation avec les cinéastes de la nouvelle vague. Mais il y a un cinéaste qui se détache des autres. Un cinéaste qui arrive peu après. Assistant réalisateur de Rossellini, scénariste au départ de Mattoli, Rossellini et La Toada, ce cinéaste, c'est Federico Fellini. Bien qu'influencé par le néoréalisme italien, il aura une direction bien différente que de ses collègues cinéastes. Il commence la réalisation seulement en 1950. Après déjà quelques années de cinéma néo-réaliste, dont il a pu s'imprégner en étant scénariste et assistant réalisateur. Arrive alors, en 1954, son film La Strada, qui fut un véritable choc quand je le découvris avec mon père lors de mes 18 ans. La beauté du film m'aura ému, l'actrice Giulietta Masina me marqua à jamais, et la puissance de sa fin. Maintenant que j'y repense, que je repense à mes souvenirs de La Strada, est-ce qu'on peut considérer La Strada comme un film néo-réaliste? Et si oui, comment le renouvelle-t-il? On va répondre à ces questions en utilisant l'extrait du début de la vidéo. Le film raconte l'histoire de Glesomigna. Une femme enfant et naïve cédée par sa mère à Zampano, un homme de foire qui vit de ses numéros. Glesomigna va se mettre à aimer le colosse malgré sa brutalité. On a donc une séquence de dîner où on retrouve nos deux protagonistes diamétralement opposés et pourtant faisant ensemble le tour du pays pour du cirque. On retrouve certaines caractéristiques du néo-réalisme avec quelques nouveautés et un certain espoir enfantin chez Glesomigna. Mais tout d'abord, il nous faut définir le néo-réalisme. C'est un mouvement qui remet au centre des films l'humain et les classes les plus pauvres, tournant presque exclusivement en décor naturel, c'est un cinéma de l'urgence qui arrive juste après la guerre, même s'il y a déjà des films précurseurs du genre, couvrant 1943 à 1955. C'est un cinéma d'actualité, c'est un cinéma qui prend le temps de filmer des moments de vie tout en mélangeant les genres cinématographiques, en laissant le temps à ses figurants d'exister, alors que jusqu'ici, surtout durant la période fasciste, le cinéma était contraint dans des règles qui empêchaient la vie de pouvoir exister, la vraie vie, la vie désespérée, la vie des plus pauvres. Dans cette séquence, on retrouve des personnages vagabonds qui dînent, pouvant rappeler la scène de dîner dans La Dri di Biciclette de De Sica, des personnages en errance s'arrêtant pour manger dans un moment plus convivial. Ici on a Zampano, toujours aigri et buvant de l'alcool, un personnage assez triste à travers une carapace d'homme fort. En contraste, il y a Glesomigna, frêle et toujours positive. Une scène pouvant sembler anodine, voire inutile, pour l'avancement de l'histoire, mais en révèle énormément sur nos protagonistes et leur fond. Si cette séquence semble bien tenir du mouvement néo-réaliste, Fellini nous resserre sur ces deux personnages, qui sont le centre du film, l'intérêt du film. L'histoire est secondaire à leur évolution et émotion. Ils nous filment des artistes de cirque dans leur quotidien de vagabond. Glesomigna apprécie réellement Zampano qui, aux yeux de Zampano, semble être un fardeau qui l'accable. Dans ce film, Fellini nous apporte le personnage de Glesomigna, personnage bien trop positif pour un monde plus dur, que Zampano ne connaît que trop bien et qu'il essaye d'oublier. Il est d'ailleurs beaucoup plus enjoué quand une femme, bien plus attachée à son univers, s'assoit à la table, là où Glesomigna est lunaire et enfantine. Il y a donc bien un côté néo-réaliste, montrant une vie dure et réaliste dans des situations du quotidien. Mais il y a la personnalité de Glesomigna, unique, nouvelle et positive, qui transforme presque le film en conte, là où Zampano est un rappel à la réalité. J'y vois en ces personnages deux genres qui s'opposent,
mais qui se rassemblent en un film. Dans cette séquence, le conte avec Glesomania, totalement positif, totalement avec tous ces sourires, tous ces mimiques de positivisme, et le réalisme avec Zampano enchaînant alcool et clope. Les personnages semblent vivre dans deux mondes différents, et pourtant, sont ensemble dans cette même séquence, et doivent cohabiter. On associe Fellini au rêve et à l'onirisme, contraire assez au monde du néo-réalisme. Il y a bien une grande influence du néo-réalisme dans ce film et dans son cinéma. Mais son cinéma, dans l'ensemble, semble autre. Il va s'affranchir du mouvement qui lui semblait trop impersonnel, et cet éloignement commence avec La Strada et le personnage de Glesomania. Cet éloignement du mouvement néo-réalisme pour quelque chose de beaucoup plus personnel, peut-être moins réaliste, plus onirique. Avec La Strada, il quitte le réel pour venir avec l'univers du cirque et du rêve, celui de l'imaginaire et du spectacle. Même Zavattini l'accusera de trahir le mouvement tandis que Bazin félicitera l'évolution du style. Fellini est un enfant du néo-réalisme. Ses pères, Rossellini, De Sica, bien qu'important pour lui, va s'émanciper pour nous offrir une nouvelle œuvre. Oui, dans cette scène de dîner, on y voit une enfant, une fille du rêve. L'image d'un Fellini face au monde réel est celui du néo-réalisme et de sa dureté qu'il essaye d'endiguer par l'imagination. Voilà comment Fellini renouvelle le néo-réalisme, avec ses personnages sortis d'autres univers et avec des oppositions marquantes, tout en continuant le mouvement du néo-réalisme italien. Laissant vivre ses plans et ses personnages, prenant le temps de les filmer, buvant et mangeant, avoir des moments de doute et d'amusement, sans pour autant qu'une réelle intrigue se déroule. Les personnages vivent tout simplement, comme nous vivons, mais l'un de ces personnages a la faculté de rêver, et c'est Glesomania, c'est-à-dire Fellini, qui nous extirpe du mouvement et de ses codes pour nous amener dans l'enfance et dans ses rêves. Cette scène relève effectivement du néo-réalisme, mais le personnage de Glesomania nous en extirpe. Imitant presque certains gestes par amusement de Zampano, le vieil ivrogne face à l'enfant, totalement enjoué et qui rigole de ce monde. Avec cette scène de vie, Fellini nous apprend qu'il faut s'enfuir du néo-réalisme. Il faut s'enfuir de la réalité par des petits gestes. Des petits gestes certes enfantins, mais il faut apprendre à vivre dans l'imaginaire, car l'imaginaire est le cinéma. Et c'est le plus important ici. Pour conclure, il faut apprendre à vivre en dehors de la réalité. Il faut vivre avec errance et joie, et sourire aux petites choses. Les simples bons moments entre amis. Il faut apprendre à rire et à vivre, même avec des gens bien différents.